Investiture George Washington comme premier président États-Unis t'est faite le 30 avril 1789. Jusqu'en 1937, c'était 4 mois qui était prévu, soit 4 mois après l'élection pour investiture t'est faite. Mais ça t'a pas vu changer. Les Franklin Delano Roosevelt viennent pousser début mandat à 20 janvier. Ça qui fait 10 semaines après élection. Mandat un président américain commencé constitutionnellement le 20 janvier à midi à Washington chaque 4 ans. Selon tradition, si 20 janvier a tombé un dimanche, a bien une prestation seulement qui fait un comité restreint en dans Maison Blanche, et puis demain a bien une manifestation populaire là avec une autre prestation seulement encore. Un public en plus de public là qui a là bien sûr a bien vice-président, famille président, membre congrès yo, juge la Cour suprême yo, au gradé yo et officier au gradé yo, ancien président. Assermentation en fait traditionnellement sous marche Capitolio, ce qui dans Sandville Washington. Auparavant prestation vice-président et qu'on fait dans le Sénat. À midi précis, président prêté serment, traditionnellement, il fait ça devant président de la Cour suprême. Pendant l'a utilisé mot qui est dans l'article 2 dans la section 1 Constitution américaine. Le président dit que l'accepté charge président des États-Unis hein, et que lui a fait tout ça capable pour préserver, protéger, défendre la Constitution des États-Unis. Habituellement, pendant la peu prêté serment, président qu'on ne déposait même son bip. Rappel, c'est une série podcast qui a fait nous songer moment qui important qui marquait l'histoire pays d'Haïti avec l'autre pays dans le monde là.